Et puis c'est toi, là aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Bah en fait là il y a la reine, vous pouvez la voir, la reine des guêpes. Je vais essayer de vous choper une petite guêpe. Regardez, il est là, lui. J'ai oublié la bombe en guêpe. Là les alvéoles, juste ça. Là c'est que du isolant. Vous voyez qu'est-ce qu'elles peuvent faire ces sales poutres. Saleté. Plus aucun bruit. Il y a un putain de frelon, je vais aller chercher la bombe. Je vais le shooter ce frelon. Voilà la reine des guêpes du nid. Vu que là il n'y a plus la reine dans la ruche, elle est foutue. Alors, elle est où la petite guêpe? Et ça c'est un frelon. Donc voilà, je vais chercher la bombe. Et vu la petite bête là. Et ça ma petite Chloé. On se retrouve vers le nid. Je la pose là, la reine. Voir s'il y a des guêpes qui viennent la chercher. Ça c'est que du isolant. C'est du bois mâché par des petites guêpes minuscules. Venez. Celle-là, vous pouvez les voir, les larves. Ça, c'était plein de petites larves, là, des futures guêpes. Ben, y a un petit pince-oreille qui s'est niché dedans. On les laisse, les pince-oreilles. Ça, c'est les couilles. Et ça, c'est encore du isolant. Que du isolant. Si tu bois juste mâché, ils arrivent à faire des gros trucs comme ça. Taille du truc là et les bois. Allez, revenez les petits, trouvez vos nids au nid. Vous faire infecter. Bien, les infecter comme ça, au moins c'est... Elles sont capotes. Voilà. Bien les enflammer, les salopes. Merde, il y a un morceau qui est pâté là-bas. On va essayer de le choper et le mettre là. Il nous fait piquer. Pas par les guêpes, mais par les orties, les ronces. Il y en a un autre morceau d'isolant. Un autre. C'est la première fois que j'en vois un gros comme ça. Mais... Regardez le truc. Là, si je pousse un petit peu là. Là, ça peut mieux les voir, les guêpes. Et là, c'était le taux de sortie pour les petites putes. Regardez la taille du bois. Regardez la taille du bois et la taille du bordel. Ça, c'est juste du isolant. Et ça, c'est le bébé. Et vous pouvez le voir. La taille de la bombe. Regardez, vous pouvez le voir.